À l'origine, dans notre projet de la construction du campus SFR, nous avons cherché à équiper notre amphithéâtre, la grande salle de conférence et la salle du conseil en équipement audiovisuel. Et tout naturellement, notre bureau d'études audiovisuelles nous a proposé Barco comme solution de diffusion. Et c'est là où donc j'ai découvert le système ClickShare. Et d'ailleurs, les premières 30 minutes de notre réunion, au lieu de les passer sur l'objectif, on a bifurqué sur le ClickShare, où là, j'ai compris en fait la facilité d'usage de ce produit, où j'étais complètement bluffé. Et finalement, donc, en sortant, j'avais dit à notre bureau d'études, ce produit-là, il faut absolument le mettre sur le campus. Maintenant, sur le campus, toutes les salles de réunion, toutes les salles de conférence sont équipées du système ClickShare Barco, y compris la salle du conseil de la présidence. Donc, en gros, nous avons à peu près 140 ClickShare aujourd'hui sur le site. Et à la fin de la tranche 2, ce chiffre sera multiplié par 2, donc on sera plutôt à 280, voire 300, si on équipe aussi l'université SFR qui va se trouver au niveau de la tranche 2. L'utilisateur est plutôt autonome. Au début, il nous demandait un petit peu de l'aider. À partir de là, ça roulait vraiment super bien. On n'a pas eu de retour concernant cet outil. Donc effectivement, pas de retour, c'est que le ClickShare fonctionne très bien. Le système dongle est aussi très bien pensé, c'est-à-dire qu'il intègre aussi une petite mémoire qui permet de le connecter à un ordinateur PC ou un ordinateur Mac. On a juste à ouvrir la fenêtre, le pop-up, cliquer sur l'application ClickShare Barco et le système se met automatiquement en place et l'affichage se fait directement. La première réaction que j'ai eue en utilisant ClickShare pour la première fois lors d'une réunion, ça a vraiment été l'étonnement et la simplicité de fonctionnement. En fait, on a juste à s'installer dans la salle avec son ordinateur, à brancher le port USB, et en 30 secondes, ça transmet à l'écran, on peut afficher ses documents sans aucun problème. Plus besoin de brancher plusieurs câbles, de perdre du temps à s'installer, les dysfonctionnements qui font perdre du temps au cours des réunions. Là, c'est très pratique. Et ça permet aussi une grande interactivité au cours d'une réunion, puisque chaque interlocuteur a la possibilité de brancher, quand il le souhaite, un port USB et à son tour de prendre la main et de projeter ses propres documents. Donc finalement, ça fait des réunions qui sont beaucoup moins figées et très dynamiques. Donc c'est vraiment un outil, une fois qu'on a commencé à s'en servir, on a du mal à concevoir qu'on puisse s'en passer.